Ah, bonjour! Bien, coucou, je suis déjà en vacances. Hein. Bientôt, je vais aller faire la plongée. J'ai déménagé en Corse. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Mais je fais cette vidéo aujourd'hui pour te montrer ce qui est possible et ce qui t'attend si tu rejoins Zomba, le programme de Sigrun, Zomba's Online Master of Business Academy. C'est le programme que j'ai rejoint l'année dernière en janvier et en été, exactement au mois de juillet, quand je préparais mes vacances pour partir en Corse, comme tu vois, pour faire la plongée et faire du camping, Sigrun a lancé l'idée de la Zomba Summer School. Et j'étais en train de faire mes bagages quand elle a mis cette vidéo dans le groupe. Et moi, quand elle propose un truc, je me dis, bah, je vais certainement le faire. Je vais saisir cette occasion. Alors que j'étais en train de faire mes bagages et alors que j'allais faire du camping et que je ne savais même pas comment j'allais donner un cours dans des conditions pareilles. Je me dis, si Sigrun nous lance et que si elle nous donne le support, moi, je le fais. Et la beauté de la chose, la beauté de la chose, c'est que si maintenant, aujourd'hui, tu rejoins Zomba, peut-être que tu as déjà rejoint hier, que je suis pas au courant. Si tu rejoins Zomba, les portes sont ouvertes hier. Tu rejoins Zomba, c'est ça que tu peux créer. C'est ça que tu peux créer. Il te suffit, et Sigrun, elle nous guide, il te suffit, c'est un cours de 4 semaines, de 4 pas que tu dois réfléchir. Et là, je peux t'aider avec ça. Tu dois réfléchir si je dois enseigner ce que je sais faire le mieux à un client potentiel et que ce client vient chez moi. J'ai 4 semaines avec ce client et chaque semaine, je lui donne un module, je lui donne une tâche. Quel serait ce chemin? Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait. Pour moi, ça, c'était clair, les 4 pas de ma méthode. Je me dis, ben voilà, on va faire ça. Et donc, j'ai eu dans ce cours que j'ai donné, mon tout premier cours en ligne, j'ai eu 100 personnes et 50 dans mon groupe Facebook. Et il y en a encore, peut-être quand je fais cette vidéo ici, qui vont dire qu'ils vont reconnaître. Attends, je vais changer un peu l'image. Donc, tu vois, en fait, ici, voilà. C'est moi, l'année dernière, en Corse. Et attends, je m'éloigne un peu. Et donc, ce que je veux te dire, je veux t'expliquer comment j'ai fait ça. Parce qu'on a été 120 Samba Sisters qui ont fait un cours. Et moi, je me suis inscrite parce que c'était un cours gratuit. C'est comme ça que ça se lance et ça va se passer au mois de juillet cette année-ci. Et toi, tu peux faire partie de ça. Sigrun nous donne un support incroyable et moi, je serai là aussi. Et donc, je veux te dire comment, avec quelle facilité il est possible de faire un cours qui est juste magnifique et que n'importe où que tu sois pendant le mois de juillet, tu peux le faire. Si moi, je pouvais le faire dans des conditions pareilles, tu peux aussi le faire. Donc, alors, je vais te montrer, je vais changer un peu ici. Voilà, par exemple, tu vois ça? Je faisais du camping. Et donc, alors, attends, j'explique ici. Tu vois mon petit siège de camping? Et là, j'avais mon petit pied, je mettais mon téléphone portable. J'avais un petit micro quand même et de l'eau parce qu'il faisait déjà chaud. Et donc là, en fait, je me suis éloignée du camping. Je me levais à 7 heures du matin, le lundi matin. J'avais une feuille devant moi. Mon idée était claire ce que je voulais faire. Et je me dis, OK, je vais enseigner ça. J'avais mis tous les papiers. J'ai encore les feuilles maintenant. J'ai mis toutes les idées et j'ai simplement donner ça par vidéo, comme une vidéo comme je fais ici pour les personnes qui me suivaient. Donc, OK, j'ai mis cette vidéo avec moi, c'est super facile, avec mon téléphone en direct dans le groupe Facebook. Donc, c'était vraiment pas compliqué. Et en plus, Sigrun, elle a expliqué tout ça. Donc, c'était tout le monde a su le faire, tout le monde. Et donc, moi, c'est ça que je faisais. Le lundi matin, je me levais à 7 heures. À 7 heures, à 8 heures, mon idée était prête. À 8 heures, j'allais en ligne, en direct dans le groupe et je donnais le truc que les filles devaient faire. Et puis, c'était ça. C'était ça. Je leur avais bien expliqué quand même. J'ai dit, écoutez, les gars, moi, je suis en Corse. J'ai mon Wi-Fi, j'ai ou sur le téléphone mobile et je vais vous donner le contenu que je vous donnerai dans un cours qui serait bien sur un site web, etc., etc., professionnellement. Mais là, non, c'est mon premier cours
Vous avez ça gratuit. Donc, le contenu est magnifique. Par contre, la forme, voilà. Et donc, la forme, c'était ça, tu vois. Mais en réalité, c'était méga sympa. J'ai même fait, je me rappelle, une vidéo, j'étais sur un bateau. Donc, je dis, écoute, demain, on commence. Tu vois la vidéo comme ça. Donc, ça, le lundi matin, mon module, les gens travaillaient dessus, bien sûr, mais c'est quand même tellement touchant. J'étais dans le groupe Facebook, mais tu t'imagines pas la joie. Imagine-toi que au mois de juillet, tu crées ton premier cours en ligne. C'est possible, c'est possible, c'est possible aussi pour toi, je te le dis. Si je peux le faire, si moi j'enseigne les mouvements et des méditations, des choses comme ça, en Corse, en camping, toi, tu sais le faire. Alors là, il n'y a aucune raison. Je ne vois aucun cours qui ne peut pas se donner. Hier, j'ai fait une vidéo pour t'expliquer qui est dans Zumba, quel genre de personne, quel genre de femme sont là-dedans. On a une artiste peinte et chanteuse, en fait. Réécoute la vidéo d'hier. Et ils ont presque toutes fait une Zumba Summer School, un cours. Donc, il n'y a pas de… Tu as des limites dans ta tête. Tu te dis, moi, je ne peux pas. Ce n'est pas vrai. Tout le monde peut. Donc, voilà. Alors, je remonte. Ici un autre là, voilà. Tu vois le camping, et moi je me suis mise là avec l'ordinateur portable, ça j'ai déjà montré ici. Tu vois, sur, parce que là en fait, là j'enseigne vraiment, j'ai mis ça. Peut-être même celle qui en fait la summer school avec moi, vous avez peut-être pas encore vu ces photos. Regarde ici derrière, attends, comment on fait ça, là derrière tu vois la tonnelle de ma caravane. Et là, en fait, pourquoi? Parce que là, je n'avais pas de table, j'avais besoin d'être debout parce que j'enseignais un mouvement. J'ai fait une petite photo, pas du mouvement. Voilà! Hi-hi. Donc voilà, bah là, je me suis filmée un peu moi-même. Attends, on va me remettre dans le… Où est-ce qu'on se met? Ici? Là où je suis? Voilà, tu ne vas pas en double. Tu vois les affaires de plongée, hein? Donc tout de suite après, le lendemain, enfin tout de suite après, on allait plonger. Je préfère ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en plus? Donc, j'ai suivi les commentaires dans le groupe Facebook et le vendredi, donc ça me fait une heure de passer, tout le reste, ce n'est que du plaisir, ce n'est que du commentaire, aider les gens qui mettent en œuvre ce que je leur demande. Et le vendredi, je faisais une séance questions-réponses et je répondais à toutes les questions. Et donc, ça me faisait une heure le lundi et une heure le vendredi. Et je choisissais moi l'heure à laquelle j'étais disponible. Et pour le reste, parfois je faisais ça la nuit dans mon lit, ou bien le matin, ou bien alors qu'on était en route vers quelque chose, j'étais dans le groupe Facebook. Et ce n'était que du bonheur. Donc maintenant, imagine-toi un peu, parce que j'ai parlé avec beaucoup de filles, enfin beaucoup de femmes dernièrement qui sont au début du processus, hein, qui se disent « Ah, j'ai une idée, Gudrun, j'ai une idée, mais j'ai aucune idée ce que je peux faire avec ça. » Bon, la première chose que tu dois faire, s'il te plaît, va dans la masterclass de Sigrun. Demain, elle donne une masterclass et va dans cette masterclass. Elle a une manière d'expliquer le processus de complètement dans le flou. Ouais, quelqu'un qui n'a même pas encore une idée, quelqu'un qui a une idée, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il est là? Il essaye de trouver tous les contenus gratuits à gauche, à droite, à grappiller, mais il reste complètement perdu, il ne sait pas quoi faire, il s'éparpille, il procrastine. Après, mise en œuvre. Et après, il y a une barre qu'elle explique. Je trouvais ça génial. Elle a fait une pyramide entrepreneuse, blablabla. Bla, bla. Et ça va vraiment… Et c'est tellement clair. J'ai vu ça, je me dis, ah oui, bah oui. Je suis passée par là. Maintenant, je suis là. Ouf. Et puis, elle explique ce qui se passe dans ta tête. C'est ce qui se passe dans ta tête quand tu passes les étapes. Et tu peux les brûler un peu, les étapes. Tu ne peux pas complètement les faire la fusée. Si tu as de l'aide, tu peux le faire plus vite. Et je ne connais personne qui fait ça aussi bien que Sigrun, ce support. Donc, la bonne nouvelle numéro 1, Zumba Summer School is coming. Pour toi, tu rejoins Zumba en mois de juillet, je te le garantis. Tu crées ton premier cours en ligne. Qu'est-ce qui se passe après? Pour les Zumba Summer Schoolers, ce cours était gratuit et ils ont offert, fait une offre. Et il y en a là dedans. Moi, non. Je, 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 je,
J'ai oublié de faire une offre. C'est malin, c'est très malin. Mais il y en a qui, en fait, c'est aussi qu'on nous l'avait dit, fait une offre. J'ai oublié. Et il y en a qui ont fait une offre à toutes les personnes qui avaient été accompagnées pendant 4 semaines et ils ont gagné 10 000 euros. Tu joins en bas, tu dépenses quelque chose et au bout d'un mois, tu as triplé le cette possibilité existe. Je ne sais pas que tu vas le faire, que c'est toi ça que tu vas avoir, mais il y a des personnes qui mettaient dans le groupe. Moi, je viens faire mon offre, 10 personnes l'ont acheté ou je ne sais pas combien, 10 000 euros. J'étais là, mais Gudrun, t'es bête, tu n'as rien offert. Et en plus, les personnes dans mon groupe, elles ont dit, on se sent un peu perdu, oh, c'était tellement chouette, on aurait envie de continuer. Et moi, je n'ai pas fait d'offre. Donc, c'est presque garanti, si tu donnes un mois de cours, qui est gratuit en plus, que les gens ont adoré, et qu'après, tu fais une petite offre, une grande offre, n'importe ce que tu offres tes services, c'est presque garanti que tu vas pouvoir vendre quelque chose. Parce que les gens, ils ont appris à t'aimer pendant les 4 semaines. Ils ont appris à adorer travailler avec toi. Ils sont dans cet enthousiasme, ils sont dans cette dynamique, elles ont envie de continuer. Pas toutes, mais certaines. Et donc, voilà la magie de la chose. Et donc, soit tu fais une offre et tout de suite, tu récupères ce que tu as mis pour Samba. C'est tout à fait, tout à fait, tout à fait faisable. Ou bien alors, tu te sens, enfin, non, tu n'as pas vendu grand-chose, tu as peut-être vendu quelque chose ou rien. Tu refais cette summer school. Moi, je l'ai refaite l'année dernière en novembre. J'ai eu cette fois-là 500 personnes dans un challenge. J'ai fait avant pour avoir des gens. J'ai eu 5, non, 450 personnes dans mon challenge. Donc, j'ai fait un challenge de 5 jours sur la confiance en soi, je crois. Et j'ai vendu mon cours après. Il n'était plus gratuit, je l'ai vendu le même cours. Donc, la seule chose que j'ai fait, le seul effort que j'ai fait, évidemment, je n'étais plus en Corse, j'ai enregistré les vidéos d'une manière un peu professionnelle et je les ai mis sur un site web où tu peux, avec un mot de passe, arriver dans le module. Donc, j'ai mis une forme professionnelle. Donc, j'ai remis pas mal de travail dedans pour mettre vraiment des PDF, des liens et tout ça. Et donc, la version maintenant, elle est payante et je l'ai vendue en mois de novembre et je l'ai revendue ici au mois de mai et le prochain va venir. Donc, c'est un cours que j'ai une fois créé. Tu vois, le contenu a une fois été dans ma tête créé et là, je l'ai déjà vendu 2 fois et je vais encore le vendre encore une fois ou encore une fois. Et le prix, il a doublé. Parce que je me suis rendu compte de la transformation que c'est pour les femmes. Et c'est magique. Et donc, rien que ça, c'est un truc. Et tu sais quoi? Hier, il y a des gens qui ont joué un Zumba et c'est la fête. C'est déjà la fête. Elles sont déjà rentrées dans les modules, regarder ce qui se passe et tout. Il y a une excitation dans le groupe, aussi bien des Zumba qui sont dedans, enfin, on s'appelle des Zumba, hein, Zumba Sisters, des Zumba qui sont dedans, on souhaite la bienvenue à tout le monde, les nouvelles qui se présentent. Je peux pas t'expliquer comment c'est, mais en tous les cas, je voulais que tu puisses voir ceci et que tu puisses vérifier dans ta tête, est-ce que c'est quelque chose que vraiment je voudrais aussi moi? Je voudrais avoir mon cours en ligne. Et si tu te dis, mais non, je ne suis pas prête, mais non, je ne sais pas faire ça. Oh, mais non, en réalité, le online, ce n'est pas pour moi. Je peux te garantir que tu vas changer d'avis. Tu vas changer d'avis parce qu'il n'y a rien de mieux que le en ligne. Bon, maintenant, ça c'est pour si tu offres des services, si tu offres des produits. Le fait d'aller en ligne, ouais, bah, vendre des produits avec un Samba Summer School en ligne, je ne vois pas très bien, je devrais m'en renseigner. Mais en tous les cas, Zumba te permet de devenir beaucoup plus visible et de savoir comment tu vends tes produits. Tu vends tes services, mais tu vends aussi tes produits. Donc, c'est magnifique ça. Et voilà, bah, j'espère que je vous ai donné envie. Je vous ai très, très, très donné envie, pas d'aller en Corse, mais ça, c'est aussi chouette, mais de créer votre cours et de vous dire que c'est tout à fait possible. Il y a un podcast qui a été enregistré où Sigrun m'interview, où j'explique un peu la même chose qu'ici en anglais. Tu peux aller regarder ce podcast si tu as des questions, si tu as des doutes ou si tu te dis oui, j'aimerais ça, mais j'y crois pas. Je te conseille quelque chose
viens dans mon groupe Facebook et je t'offre une demi-heure avec moi où on parle de ça, où je vais t'ouvrir les yeux, si tu me laisses faire. Oui, j'offre les séances de 30 minutes jusqu'à mercredi prochain à toute personne dans mon groupe. Tu dois quand même d'abord venir dans mon groupe. Si tu me mets un lien ici en dessous, je te mets un commentaire, je te mets le lien vers le groupe. Et avec très, très grand plaisir. Alors, si tu n'as aucune envie de venir dans mon groupe, mets-moi un commentaire, contacte-moi par message privé. Et on trouve un arrangement, ok? Je veux vraiment, vraiment motiver la plupart des plus de gens possible et au moins que donner cette information que ça existe. Donc, tu dois le savoir. Maintenant, tu le sais, tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux plus dire que je ne l'ai pas communiqué. Et demain, la masterclass, s'il te plaît, inscris-toi et viens, 10 heures demain. Moi, j'y serai. Plein de gens du groupe qui s'y seront et on va pouvoir faire ça ensemble, commenter ensemble. Et c'est une dynamique qui est vraiment enivrante quelque part. Mais surtout, tu travailles sur ton chemin, sur ton évolution. Cette masterclass vaut de l'or, elle est gratuite et ça te donne une clarté de savoir où tu es et ce qui est possible pour toi. Et même si tu ne rejoins pas Zumba, pouvoir avoir cette possibilité, avoir vu cette vision de cette possibilité, c'est important parce que peut-être tu ne rejoins pas Zumba maintenant, peut-être que ce sera plus tard ou peut-être tu fais un autre chemin. Mais en tous les cas, dès que tu vois cette possibilité, ta vie, elle change. Ton cœur, il fait un bond parce qu'il y a de l'espoir là où il n'y avait que doute. Et ça accélère le processus. Donc voilà, bonne soirée à tout le monde. Je tenais à vous informer et j'espère vous voir tous demain dans la masterclass et d'être en contact personnel avec vous toutes. Bye bye.